On avait sorti un Next Level 1, c'était Dancehall, mais on s'est dit que bon, comme on fait du reggae dancehall, on va sortir un dancehall et deux reggae. Donc le Next Level 2 est sorti et c'est une bombe, je vous assure, c'est une bombe. Il y a des sons comme Africa, on parle de l'Afrique, de notre terre-mère, on parle des femmes, on parle de tout, et tu vois, on parle de tout en général. C'est des sons conscientiseurs, you know, c'est des sons qui bougent. Disons qu'il n'y a pas vraiment de, comment on appelle ça, il n'y a pas vraiment de public reggae dancehall ou de game reggae dancehall à Montréal en tant que tel. Il y a un secteur rap que les gens écoutent de plus en plus. Il y a un secteur world music que les gens écoutent un peu plus. Le reggae, on nous considère beaucoup comme étant world music dans les concours et tout ça. À part ça, il n'y a pas vraiment de crowds à Montréal qui te permet de vraiment écouler ton produit. On va plutôt à l'extérieur des autres villes comme Trois-Rivières, Québec, on est à Moncton et on a sûrement encore peut-être un autre truc à Sainte-Anne côté d'Halifax. On est à Québec pour la deuxième fois. Donc on essaie de viser d'abord à prendre le Québec, le reste des continents, ensuite Montréal viendra. On est plutôt fiers, oui. On est plutôt fiers. On considère que, bon, le secteur dancehall, c'est pas un secteur qui est très développé ici au Canada. Mais on considère qu'on n'a pas le monopole, mais bon, on a quand même une mainmise sur le game. Donc c'est ça. Donc c'est ce côté-là, en fait. C'est ce côté-là, en fait, qu'on essaie de développer en ce moment. Ouais, c'est comme disait mon confrère, c'est... Il n'y a pas vraiment de concurrence, il n'y a pas vraiment de game, on n'est pas meilleur que tel groupe, meilleur que tel groupe, on essaie de faire ce qu'on fait de mieux, on essaie de le faire bien, tu sais. On essaie de rejoindre tout le monde au niveau du message. Disons, moi je dis toujours, c'est de la musique consciente pour ton subconscient. J'entends juste le monde dans lequel on vit, tu vois ce que je veux dire. Le monde dans lequel on vit, une société de consommation où on a toujours la sensation d'être oppressé par un système. Par exemple, ce que je peux donner comme exemple, par exemple, le système carcéral au Québec, le système, l'État et toutes les institutions bancaires, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, c'est le Babylon System. Le Babylon, pour moi, c'est toutes les grandes capitales au monde. Tu pourrais être en France, ça va être la même chose. Tu pourrais être au Canada, ça sera la même chose. Tu pourrais être au Sénégal, c'est la même chose. Il ne faut pas prendre le sens littéral de la chose, mais plutôt le côté vision globale, tu sais, vision mondiale, sur plus grande échelle. Le système, j'y vis, je suis dedans, j'y peux rien. Parfois, je suis un pion de ce système-là, parfois, j'essaie de ne pas être un pion de ce système-là. J'essaie de rester authentique et de faire la musique que j'aime faire. C'est tout en faisant appel à nos valeurs, à notre éducation, aux richesses qui rentrent dans notre bagage culturel.
on vient quand même du Sénégal, même si on est de Montréal et qu'on a un groupe montréalais. On vient du Sénégal, on a nos racines, nos mœurs qui sont déjà établies. Donc on ne fait juste chanter notre continent, faire un appel à l'unité, faire un appel à l'harmonie et à l'amour. Tu sais. Faisons l'amour et non la guerre. Peace, love and harmony. On est un peu hippie sur les bords, même si on est des rastas, tu vois ce que je veux dire. Nous avons un Facebook, on a utilisé des plateformes internet comme Facebook, MySpace, Twitter, il y a d'autres sites internet de téléchargement comme We Got It First, par Google aussi. Si tu tapes Prodige Galsen sur Google et tu trouveras le MySpace et le Facebook. Clic, clac, gunshot, boulette, Prodige Galsen dans la place, t'entends? Prodige Galsen in a the dancehall, yes I what? Yo, click, clac, gunshot, bullet. Prodige Galsen dans la place, t'entends? Bullet. Prodige Galsen in a the dancehall, yes I yo. Prodige Galsen. C'est chaud. Merci beaucoup les gars, c'est super gentil. Africa the first civilization, we got the solution. African people revolution. Change the situation. Let's go in action. Now in Africa we change. I'm not waiting for this day for so long. I wanna see my people where I come from. Smile and screaming freedom. Now in Africa we change. I'm not waiting for this day for so long. I wanna see my people where I come from.